Elle était très attendue sur la sécurité. Ce ne sera pas l'état d'urgence tant réclamé, mais dans l'immédiat, la ministre déléguée annonce le contrôle de la vente des machettes et l'euthanasie des chiens errants. L'autre réponse à l'insécurité arrivera dans un peu plus d'un mois. L'opération Wambushu 2 sera lancée en avril, annonce une ministre très satisfaite du premier volet. Si Wambushu 1, c'était un échec, on ne dirait pas qu'il faut absolument qu'il y ait Wambushu 2. Parce que Wambushu 1 a été interrompu, on l'a vu lors des émeutes, dans les diagones, les effectifs ont été rappelés. Ce qui a mis un frein au résultat de Wambushu 1, c'est, vous l'avez dit, c'est l'interruption de Wambushu 1. Mais ce n'est pas Wambushu 1 qui a été un échec. Les moyens qui seront déployés durant le Wambushu 2 restent à déterminer. La feuille de route est confiée au nouveau préfet François-Xavier Vieuville, en collaboration avec les élus. Marie Guévenot assure que tout sera mis en œuvre pour éviter d'essuyer une nouvelle fois le refus de l'Union des Comores d'accueillir ses ressortissants. Il va y avoir un travail diplomatique à faire avec à la fois les pays des Grands Lacs, puisque c'est ça dont on parlait avec Cavani, et puis aussi avec les Comores. Est-ce que je peux garantir que 100% des étrangers en situation irrégulière auront un laissez-passer consulaire ? Moi, je ne suis pas là pour vous raconter des blagues. Non, je ne peux pas vous le garantir. En revanche, qu'on va faire en sorte d'obtenir des résultats, oui, ça, je peux vous le garantir. En quittant Mayotte hier soir, Marie Guévenoux laisse derrière elle des barrages encore maintenus. Pour elle, le gouvernement a tenu ses engagements. La balle est dans le camp des forces vives. Moi, je ne suis pas chef des barrages. Hein. Je suis membre du gouvernement français. Donc, il y a 15 jours, je suis venu avec le ministre de l'Intérieur. Il prend l'engagement. Fin du droit du sol, fin des titres de séjour territorialisés. Des annonces très controversées au national. Marie Guévenoux reviendra à Mayotte dans